Salut à tous, c'est DSSWX9. Alors, pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas vraiment de suite de conversation. Je suis vraiment navré que je n'ai jamais vraiment de suite de conversation à vous proposer. Je suis vraiment un radin. Et puis, voilà. Alors, je voulais... j'ai pas grand chose à vous raconter à part ma vie. Franchement, moi, je vois pas pourquoi vous ne raconterez pas un peu mieux ma journée. Ben aujourd'hui, j'étais comme tous les jours à l'école. J'ai été comme tous les jours. J'ai rentré à midi, enfin non, à 11h. Mais bon, j'ai un pote qui s'appelle Rémi qui m'a donné le gameplay parce que, parce que en fait, j'avais un gameplay à vous proposer. Et j'ai eu un bug d'enregistrement, enfin pas d'enregistrement mais comment dire de... ça s'est coupé aux trois quarts du truc, donc c'était un peu chiant mais bon c'est pas très très grave, voilà. Désolé, attendez 3 secondes, j'ai déremonté parce que j'ai mangé il y a pas très longtemps. Voilà, bon. J'espère que ce gameplay va vous plaire. Franchement, moi j'y mets. Le gameplay va vous plaire de mon pote. Moi je l'ai regardé qu'une fois. Personnellement, il m'a plu. C'est à vous de voir s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue Call of Duty la saison sur Resistance 2 et la saison sur Far Cry 3. Je voulais vous dire merci pour les 218 abonnés, je crois. Pour la fin de vidéo, je vais vous dire quelques petits trucs comme à chaque vidéo que je ferai. Voilà. Si j'ai un truc à vous dire dans cette vidéo, un projet que j'ai dans pas très longtemps, peut-être ça pourra intéresser quelques youtubeurs. Dès maintenant, tous les youtubeurs qui me regardent. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Déjà je vais vous expliquer ce que c'est parce que si je vous dis pas ce que c'est, vous pouvez pas me dire, dire si vous voulez ou pas. Je ferai des vidéos. Alors il faudra que vous m'envoyez un message privé ou dans les commentaires. Dans ce message de commentaire, il faudra que vous me mettiez. Je participe, enfin est-ce que je peux venir dans la vidéo et tout ça, et je vais vous tester sur Skype. C'est comme une genre d'interview mais beaucoup plus expérimenté et un peu plus fun, et dire aussi ce que les ressentis du youtubeur, qu'est-ce qu'il a fait de grandiose sur sa chaîne YouTube et qu'est-ce qui lui a bien plu surtout sur YouTube. Par exemple, moi c'est le multigaming et surtout les jeux vidéo, mais ça dépend des youtubeurs qui vont passer sur ma chaîne. Peut-être ça sera pas que des jeux vidéo, peut-être que si, parce que les youtubeurs en ce moment c'est un peu que les jeux vidéo, mais bon c'est un peu normal, les jeux vidéo c'est un peu de l'actu. Mais de toute façon ma chaîne YouTube existera toujours. Même si les jeux vidéo ne sont plus à la mode, même si j'en doute vraiment, parce que même mon arrière-grand-père, il aimait bien jouer, donc je vois pas pourquoi nous, on arrêterait de jouer. De toute façon, nous le jeu, moi je suis un gros geek, surtout sur la PS3, mais par contre, je voudrais dire aussi aux gars qui croient que geek... Que sûrement vous l'avez peut-être eu cette remarque, t'es un geek parce que tu joues aux jeux vidéo, mais pas du tout. Geek, il a une signification, c'est être passionné de quelque chose. Par exemple, moi je suis passionné des jeux vidéo. Il y en a qui sont passionnés par les filles, ça arrive aussi, mais bon, ça c'est moins commun. Mais faire remarquer que tout le monde est passionné par les filles pratiquement. Ça dépend aussi des garçons. Et aussi des filles qui nous regardent. Parce que nous les youtubeurs, on n'a pas que. Il n'y a pas que des youtubeurs sur YouTube, il y a des youtubeuses. Faut bien penser aux filles aussi.
Mais voilà. Je dis toujours un peu la même chose, mais comment dire, j'ai pas grand chose à vous dire, à part que je vous aime et que j'aime bien faire des vidéos, surtout en compagnie de mes abonnés qui sont toujours aussi fidèles. Surtout à ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne. Et puis la devise que je dis, voilà. Alors, ben comme vous voyez, mon pote fait un assez gros massacre. Moi j'avais fait comment dire, pas un plus gros massacre que lui, mais j'avais fait comment dire, j'avais enchaîné le kill streak. Franchement c'était très beau à voir. Et c'est dommage que ça coupe au montage. Désolé, j'ai un peu les remontées et tout ça. C'est pas très plaisant, mais je suis vraiment désolé. Et puis voilà, normalement le gameplay devrait s'arrêter dans approximativement quelques minutes. De toute façon on a le temps, on se stresse pas et j'espère que cette vidéo va vous plaire autant qu'à moi et qu'à vous. Je voulais vous demander de vos nouvelles. Dites-moi, je sais pas, dans les commentaires, vous pouvez tout me dire. Le problème, c'est que sur mes commentaires, je vois pas assez de commentaires. Franchement, ça me déçoit un peu parce que les commentaires, pour moi, c'est encore mieux que les j'aime. Même si les j'aime, je les aime bien. Enfin, je les aime beaucoup. Remarque que j'ai reçu pas mal de commentaires ces derniers temps. Franchement je suis vraiment content que les nouveaux abonnés ils commentent bien mes vidéos. Au moins dire que la vidéo vous plaise ou un truc comme ça, je sais pas. Ou même dire que c'est complètement de la merde. Mais bon, je crois pas que vous allez m'envoyer ça. Mais bon, tout peut ça arriver parce que j'ai bien vu sur une chaîne communautaire, sur une chaîne de youtubeur, il lui a demandé dans les commentaires s'il voulait l'épouser. Donc franchement, c'était vraiment lol. Comme le jeu. J'ai vraiment une immort de chiottes comme sur la vidéo Naradine Nadine Babek. Vous avez pas entendu ma voix parce qu'en fait... comment dire, Fraps bug un peu, donc on n'entend plus ma voix. Tout ce qui sort de mon casque, vous entendez rien, mais tous mes potes, oui. Comme cette soirée, elle était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà. Bon, je vais vous dire juste le mot de la fin. Mais continuez toujours votre chemin et ne vous arrêtez jamais pour votre passion. Au revoir.